Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, lieutenant. Bonjour à vous. Oui, entrez. Bonjour, Antea. Asseyez-vous, je vous prie. Bonjour, capitaine. Alors, dites-moi, quelle est donc cette affaire très importante dont vous parliez au téléphone ? T'es, pour être fin avec vous, je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a eu un meurtre à Tamarang hier. Et il se trouve que la scène de crime présente de nombreuses similitudes avec le mode opératoire du photographe. Vous savez, ce tueur en série que vous avez traqué dans le passé. Quoi ? Comment ça, des similitudes ? Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un imitateur ? Justement, difficile à dire. C'est pour ça que nous avons besoin de votre aide. Nous écartons aucune hypothèse pour le moment. D'accord, je vois. Ça tombe bien, vous avez devant vous l'ancienne lieutenant qui a travaillé sur cette affaire. Ah, en effet. Écoutez, je sais que cette affaire est un sujet difficile pour vous. Perte de votre collègue, départ de la police... Vous en voudrez pas si vous refusez de travailler avec nous. Mais sachez que votre expertise sur cette affaire nous serait vraiment très utile. Je vais y réfléchir, capitaine. Effectivement, cette affaire m'a beaucoup affecté par le passé. Je voudrais pas vous donner une réponse sur le coup des mauvais souvenirs qui reviennent. Ah, je comprends, hein. Prenez votre temps pour y réfléchir et revenir à moi. En attendant, pas un mot sur cette affaire, hein. Je veux pas affoler la presse, hein. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. D'accord, c'est noté, je vais y réfléchir et je reviens très vite vers vous. Merci, capitaine. Ah, merci à vous, je vous libère, avant que quelqu'un s'installe à votre bureau. Impossible, j'y ai déjà déposé mes affaires. Allez, bonne journée, capitaine. Bonne journée, Antea.
Bonjour à tous, c'est Asteria, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver pour le deuxième épisode de mon nouveau let's play Profilers. Et donc, dans le machinima d'intro, Antea est partie travailler au commissariat de Thomas Rang et elle est allée voir le capitaine Delacroix, donc à propos de cette affaire très importante. On a découvert que cette affaire avait un probable lien avec le photographe, ce tueur en série qu'a traqué Antea lorsqu'elle était lieutenant de police. Alors, pour le moment, Antea ne sait pas trop si elle va prendre l'affaire ou non. Elle se donne un peu de temps pour y réfléchir. Bref, comme d'habitude, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ou un commentaire pour me soutenir. Allez, c'est parti pour la suite de l'épisode. Et on se retrouve avec Antea. Nous sommes vendredi, il est 7h du matin et Antea va vite falloir qu'elle mange un morceau parce qu'elle travaille à 8h, donc elle va vite prendre un truc rapide. Elle va prendre une compote de pommes et après elle ira vite travailler. Vite, vite, vite. Ouais, c'est ça, elle travaille bien à 8h. Et là, tu vas vite, ouais, vite au travail. Non, 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 vite, vas-y, vas-y. Allez, c'est bon, elle y va. Donc voilà, aujourd'hui, elle part travailler. On imagine que du coup, elle va au commissariat. Alors évidemment, dans la carrière profileuse, donc je vous rappelle, c'est un mode, hein. Cette carrière, elle n'existe pas dans le jeu. Mais du coup, dans cette carrière, on ne peut pas faire de télétravail. Donc évidemment, moi, dans mon histoire, on imagine qu'elle en fait, mais du coup... Au cours du let's play, forcément, elle ira toujours travailler et en fait, on imagine qu'elle fait du télétravail, mais du coup, vous le verrez seulement dans les machinima. Oula, il pleut pas mal, là. Ah, il pleut et en même temps, il y a du soleil, j'ai l'impression. Ouais. Et voilà, elle est rentrée, elle a ramené 880 simflouz. Ok. Alors, je voulais voir au niveau des tâches de promotion. Alors, faut atteindre le niveau 6 de la compétence charisme. Alors, on n'y est pas du tout, on est qu'au niveau 2. Par contre, il faut faire des réunions en visio. Elle en a déjà fait une. Donc, on va déjà en faire deux. Au moins, on va déjà cocher cet objectif-là. Ça sera déjà ça de fait. Et après, bon, bah, on va essayer de faire en sorte de bien travailler la compétence charisme. Allez, du coup, dès qu'elle rentre, elle va faire ça en premier. Elle va faire ses deux réunions en visio. Voilà, c'est ici. Et donc, il faut qu'elle en fasse deux. Ah, elle est embarrassée. Pourquoi? Il arrive parfois qu'on se ridiculise complètement devant ses collègues. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, on saura pas ce qu'elle a fait, mais ok. Et donc du coup, voilà, là, elle va faire ça. Après, ça sera l'heure de manger, je pense, quand elle aura fini de faire ça. Donc, elle va faire à manger. Est-ce qu'il y a des restes? J'ai pas l'impression. Il n'y en a plus, hein. Ouais, il n'y en a plus, donc il va falloir faire à manger. Je pense qu'elle va faire un dîner complet. Comme ça, on aura des restes, et ça, c'est assez pratique. Alors, elle va faire... Steak tartare, tiens. Voilà, elle est en train de faire ses réunions visio. Bon, ça n'a rien à voir le visuel de l'ordinateur, hein, on est d'accord. Certains avaient une mauvaise connexion, on n'a pas tout suivi, je n'ai rien compris. Ah, c'est pas mal ça. Ok, donc du coup, ouais, elle a bien fait déjà une réunion en visio. Et là, elle est en train de faire la dernière. Et ça y est, elle a terminé et du coup, elle se prépare son repas. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait une foire... non, ouais, désolé, mais on n'a pas le temps là. Une autre fois, hein. Ouais, c'est mon papa qui voulait qu'on sorte, mais je pense que là, on a pas mal de choses à faire, puis il faut qu'on améliore notre compétence charisme, il faut qu'on avance dans l'écriture de notre livre aussi. Même si ça, bon, voilà, c'est une deuxième activité, donc on se met pas trop la pression sur ça, mais bon, quand même qu'on le fasse. Et voilà, elle a fini son repas, je vais de suite le ranger dans le frigo. Donc après, ce qu'elle va faire à la limite, c'est prendre une douche. Voilà. Et après, du coup, elle va s'entraîner à faire un discours. Parce que du coup, ça permettra d'améliorer la compétence charisme. Alors après, je suis pas sûre que ce soit le plus efficace. Je pense que vraiment le plus efficace, c'est de parler à d'autres Sims. Mais bon, pour commencer, on va faire ça. Voilà, donc là, elle est en train de prendre sa douche. Et du coup, on est d'accord, ouais, demain, elle travaille aussi. Hein, parce que, en fait, son week-end à elle, c'est le mardi et le mercredi. Demain, on est samedi, mais elle travaille. Allez, c'est parti pour améliorer sa compétence charisme. Oula, ouais, ça augmente pas rapidement, donc on n'arrivera même pas à gagner un niveau là ce soir. Allez, on est déjà à la moitié. Pour moi, ça va encore l'énergie, on n'est pas non plus dans le rouge. Ouais, je pense qu'au final, je vais aller au bout pour gagner un niveau. Hein. Ça le fera, je pense. Et après, elle ira se coucher de suite. Hein. Elle ira juste aux toilettes avant d'aller se coucher. Voilà, elle ira faire dodo. Allez, elle y est presque.
Et voilà, on a atteint le niveau 3, la compétence charisme. Alors elle peut désormais faire un don à une œuvre caritative en ligne, tester ses techniques de drague devant un miroir et flatter d'autres Sims. Ok. Bon, du coup, tu arrêtes, tu vas aux toilettes et tu vas te coucher. Ouais, parce que bon, on se couche un peu tard, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça ira encore. Elle sera en forme demain pour aller bosser. Donc voilà, une première journée de fête, donc elle est allée bosser, hein, elle est allée au commissariat. Donc pour le moment, elle se laisse du temps hein, avant de prendre sa décision pour savoir si elle travaille sur cette affaire que souhaite lui confier donc le capitaine de la Croix. Voilà, elle se laisse encore un peu de temps. Mais du coup, son travail commence déjà dans une heure. Bon, elle a très très faim. Non, il est 8h, donc elle n'a pas le temps d'aller manger. Bah tant pis, elle va avoir faim jusqu'à midi, là, jusqu'à qu'elle mange au travail, hein, tant pis. Hein. Bon, je pense que ça sert à rien de la faire travailler dur, parce que de toute façon, il lui manque quand même ça à cocher avant d'avoir une promotion. Et au final, sa performance, elle est déjà excellente. Mais par contre, je me demande si je vais pas la faire un peu discuter avec ses collègues, parce que je crois que là, elle a besoin de social, ouais. Écoutez, on va faire ça pour une fois, de toute façon. Il faut surtout que j'améliore ma compétence charisme pour avoir la promotion, donc c'est pas bien grave si elle discute un peu avec les collègues. Hein. C'est important aussi d'avoir des échanges. Allez. Voilà, du coup, le social augmente. Ah bah, ça augmente super vite en plus. Donc ça, c'est bien. Tant pis, hein, si on a perdu un peu en performance, et encore, on est toujours dans le vert. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait le propriétaire en visite, mais du coup, on peut pas lui ouvrir, hein, on n'est pas là. Hein. Oui, mais aussi, il vient toujours quand on est au travail. Après, je dis ça, mais on est samedi, c'est vrai que c'est pas conventionnel de travailler les samedis. Mais bon, tant pis. Hein. Ah, et maintenant, il y a notre maman qui appelle. Et en TA, je trouve Paolo Rocca très mignon. Mais non. Je crois que je devrais lui proposer un rengard, mais elle est sérieuse. Mais non, mais elle est en couple, en fait, avec notre père. Ils sont toujours ensemble. Non, mais sérieux, quoi. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Voilà. N'importe quoi. Sérieux, quoi. Et voilà, elle est rentrée. Elle a gagné 886 plus, très bien. Elle a quand même encore un peu faim, parce qu'elle a mangé au travail, mais ça a pas suffi, vu comment elle avait faim. Et je pense qu'elle va prendre un petit truc rapide histoire de se caler avant le repas du soir. Elle va prendre... J'ai envie qu'elle teste ça. Allez, elle va prendre ça. En vrai, je sais pas si ça va augmenter la faim, mais bon. Oh non, Bess Sterling qui appelle. Ouais, non, je veux pas lui donner 1€. Je raccroche. Par contre, elle aura besoin de divertissement. Et bon, c'est sûr que si je la fais écrire son livre, ça va pas la divertir. Donc au pire, elle va regarder un peu la télé. Elle va... regarder la télé... Ok, donc elle est en train de manger son thé, le divertissement c'est bon. Ouais, ça augmente pas énormément la faim, hein, j'ai l'impression. Bon, au pire, elle a plus besoin de regarder la télé. Voilà, bon, bah ça a à peine remonté la faim, mais bon, ça tiendra jusqu'au repas du soir. Hein. Alors, ce que je voulais qu'elle fasse, du coup, je voulais qu'elle reprenne quand même l'écriture de son livre. Ouais, c'était ça. Ah, elle est enjôleuse, mais pourquoi? Trop bizarre, hein. C'est peut-être le film qu'elle a regardé à la télé. Ouais, ma foi. Voilà, comme ça, on va dire qu'elle va terminer ce livre ce soir. Je me dis que ça peut être pas mal. Ah, elle a atteint niveau 6 de la compétence écriture. Elle peut désormais écrire des scénarios. Cool, ça. Mais elle est toujours enjôleuse, en vrai. Hein. Dommage qu'on sorte pas, du coup. Mais bon. On va dire que là, en ce moment, pour le moment, en théâtre, c'est pas trop sa tasse de thé d'essayer de trouver un copain... Voilà, pour le moment, elle se concentre sur son travail, elle se concentre sur l'écriture de ses livres. Pour le moment, elle n'a pas trop envie d'essayer de trouver quelqu'un. Alors, je regarde dans les escaliers parce que je crois que j'ai vu notre maman en bas, là. Ouais, et ben oui, effectivement, elle est là. Mais elle vient super tard, en vrai. Bah écoutez, on va l'inviter à entrer, hein. Attendez, je vais vite l'inviter à entrer et après, elle terminera son livre. Elle a quasiment fini. Voilà, c'est bon. Elle a pu l'inviter à entrer et elle va de suite terminer son livre. Et du coup, évidemment, elle vient nous parler. Ah, excès d'ordures. Les ordures sont hors de contrôle. On dirait que chaque poubelle est toujours pleine. Essayez de régler le problème ou appelez votre propriétaire pour obtenir de l'aide. Ok. Bon, faudra voir ça. Ah, ça y est, elle a fini son livre. Le livre sera ajouté à son inventaire pour qu'elle puisse le lire plus tard. Elle peut également le publier. Bah oui, moi je veux le publier. Donc attendez, il faut cliquer sur la boîte aux lettres pour le publier. On va voir ça tout de suite. Alors... Alors, on peut vendre à un éditeur ou on peut auto-publier. Moi, je pense qu'on va plutôt vendre à un éditeur. Hein. Allez, on va essayer ça. En plus, c'est qualité excellent. Allez. Ah oui, du coup, ça a bien fait un événement. Excès d'ordures, sortir les poubelles. 5 fois. Ok, mais j'en ai pas 36 des poubelles, en fait. Et il faut organiser avec succès le retrait des ordures. Ok.
Je sais pas du tout comment on fait ça, mais on va voir. Alors, le dernier livre d'Antea a été nominé pour une récompense. Oh, trop bien. Allez à la prochaine cérémonie de récompense dimanche à 19h pour voir si elle a gagné. Ah, bah c'est demain en fait. Ok, bah on fera ça. Bah, vous savez quoi, là je vais quand même faire 3 jours Sims parce que comme du coup elle part au travail, bah, ça passe quand même assez vite. Et je pense que du coup quand il y a 3 jours Sims où elle part travailler, je pense que ça va d'en faire 3. Mais par contre quand elle travaille pas, effectivement il se passe plus de choses dans la journée, donc je ferai sûrement que 2 jours Sims quand elle travaille pas. Et 3 jours si elle travaille. Donc du coup, on fera encore la journée de demain. Du coup, on ira voir si on a gagné la récompense demain. Par contre, faut qu'on s'occupe de ça. Donc, bah effectivement, il y a mes poubelles à vider, mais par contre, bah, en fait, je peux pas. Ah, mais oui, c'est qu'en fait, elles sont vraiment toutes pleines, les poubelles de dehors. Ouais. Du coup, faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Hein. On va faire ça. Donc, merci d'avoir fait appel à retrait instantané des ordures. Ok. Ok, donc j'imagine que c'est cette personne. Ok, voilà, vous avez réussi à régler le problème d'excès d'ordures et l'évaluation du logement s'est améliorée. Super. Ah, et on a reçu 120 Simplouz. Trop bien. Alors, par contre, il est 1h du matin, du coup, et elle a très très faim. Bon, je vais pas... je vais prendre des restes. Voilà, et bah, va falloir aller se coucher. Hein. Elle ira aux toilettes et elle ira se coucher. Tant pis, faut que notre maman, elle s'en va, hein, parce qu'il est quand même 2h du matin, maintenant. Voilà, on n'a qu'à imaginer que, du coup... sa maman est venue parce qu'elle avait besoin de parler avec elle, de savoir, d'avoir son avis si selon elle, il fallait qu'elle prenne cette affaire donc qui est probablement liée au photographe, ce tueur en série qui a bouleversé sa vie il y a 5 ans. Voilà, j'ai remis les murs apparents, je trouve que c'est mieux quand même. Ok, bah ça y est, elle est partie, très bien. Et nous, il est 2h30, on n'est toujours pas couché quoi. Allez, c'est bon, elle est couchée. Donc demain, elle travaille. Et par contre, à 19h, il faudra qu'on aille à cette cérémonie. Donc, on verra si on a gagné un prix ou pas. Oula, ouais, son travail commence dans 1h, ben ouais, va falloir se lever, tant pis. Hein. Bon, il faudrait que tu prennes une douche, mais du coup, à la place, je vais plutôt te faire te laver les mains et te laver les dents. Et tant pis, ben ouais, la faim, elle remangera un petit peu au travail, donc ça ira. Voilà, donc avant la cérémonie qui sera à 19h, je crois, on essaiera de continuer à travailler sur la compétence charisme. Là, on va faire une petite pause là, pour l'écriture de livre, puisqu'on a déjà fini un livre et publié un livre. Donc, on attend un petit peu avant d'écrire un nouveau livre. Et puis, de toute façon, l'inspiration, ça vient pas comme ça. Donc, voilà, il faut qu'elle réfléchisse à sa prochaine histoire. Et elle va pouvoir, du coup, aller travailler. Il est 8h. Voilà, elle va travailler. Ah, il y a une maman qui appelle. Finalement, je n'ai pas fait de rencard avec Paolo Rocca. Ah ben, j'espère bien. Ben non, je suis pas désolée d'apprendre cela, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah il pleut encore, on n'a pas de chance avec la météo là. Ma foi. Ah bah elle a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'eau. Trop d'eau a été consommée cette semaine. Bon ça va, c'est pas comme si j'avais pris des bains tous les jours en fait. Bon, tant pis. Ah, rapport de droit d'auteur. Ouais, j'ai reçu 109 Simplouz. Bah c'est pas mal hein. C'est cool ça en vrai. Allez, elle va bientôt rentrer, voilà. Elle est rentrée, elle a ramené 886 Simplouz. Très bien. Alors, elle va aller aux toilettes quand elle va rentrer. Elle va prendre une douche. Voilà, on va imaginer qu'elle se fait belle avant la cérémonie. Et elle va aussi manger un morceau. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait se faire? Des flocons d'avoine, tiens. Allez, elle mange un morceau. Voilà, elle prend son petit goûter. Et elle a besoin de divertissement, donc du coup, elle va vite regarder un peu la télé, tiens. Ah, elle est mal à l'aise. Pourquoi? Froid au milieu. Ah oui, parce qu'elle a fait un truc au micro-ondes. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est juste pour le divertissement, ça va très vite. Et du coup, ça va bientôt être l'heure de la cérémonie. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, ouais, je l'avais mise auteur de best-seller. Et du coup, on est déjà à 1 sur 2 pour l'objectif d'écrire 2 livres. Et là, il faudra écrire pendant 1 heure en étant inspiré. Ouais, je crois que j'y pense à ça. Donc on essaiera de faire ça. Elle est un peu fatiguée, mais j'allais dire, elle pourrait faire une petite sieste. Bon allez, je vais juste histoire 2 avant que ce soit 19h. Du coup, j'imagine que c'est ça l'événement là. C'est le Topi Sims. Je croyais que c'était que pour les films, les Topi Sims. En fait, il n'y a que ça. Hein. 19h10, en plus, je suis un peu en retard. En fait, il n'y a que ça, hein, dimanche 19h. On va aller à l'événement. Et bah, on y va. On peut pas choisir de Sims. Ok, on y va tout seul. Hein.
Et voilà, on est arrivé au Topissime. Par contre, elle va se changer parce que je pensais qu'elle allait le faire. Elle va se mettre en tenue habillée. Donc, c'est ça, sa tenue habillée, ouais, cette robe-là. Et elle va vite rentrer, hein. Ah, ça y est, elle a remporté un prix. Elle a remporté le Topissime du meilleur livre, mais c'est trop bien. Ah bah oui, moi, je veux qu'elle accepte, hein. Attendez, elle va s'asseoir là. Ok, alors, elle est assise là. Par contre, je crois que c'était trop tard pour récupérer la récompense. Je crois que je suis venue trop tard. Parce que quand il y a eu la notification, je pense qu'il fallait se dépêcher de venir au micro et je pense que maintenant je peux plus récupérer ma récompense. Je sais pas, je vais attendre un peu, on verra bien. Ah, j'ai de nouveau la récompense. Ah mais si, c'est bon. Ah mais super. Ah non mais trop bien, regardez. Elle a sa récompense, ou elle a un CC. C'est la présentatrice, elle doit avoir un CC en fait, c'est des CC qui rendent invisible un Sims qu'on utilise parfois pour faire des animations. Et du coup, elle doit l'avoir. Mince. Ouais, c'est pas grave. On ne fait pas gaffe à elle. Hein. Mais voilà, elle a reçu sa récompense. Mais c'est super, ça. Bon, bah super. Par contre, elle va vite rentrer. Parce que là, elle est crevée. Ouais, elle va rentrer. En plus, demain, elle travaille. Voilà, elle a reçu sa petite récompense. Peu cher avec son visage invisible, elle. Bizarre, parce que pourtant, il me semble avoir désactivé les CC pour les PNJ. Donc c'est bizarre qu'elle ait ça, elle. Bon, tant pis. Voilà, elle a rentré. Elle est... crevée. Allez, elle est rentrée et vite elle va aller dormir. Voilà, parce qu'elle est pas mal fatiguée, mais ah oui, du coup, je voulais vérifier qu'elle avait bien reçu le prix. Ouais, il est là. Mais c'est super ça. Alors, je vais le mettre quelque part, bien sûr, on va pas le vendre, on va le mettre là. Voilà, c'est le premier prix qu'on a gagné avec un de nos livres. Non, c'est super. Et voilà, Antea est couchée et du coup, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. Et c'est donc avec cette image d'Antea qu'on se laisse pour cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de rester jusqu'au machinima de fin, juste après, car on va d'ailleurs découvrir la décision d'Antea, donc si elle travaille sur l'affaire ou non. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clothes, I know there's something. Mais ça marche le truc. Oui, allô ? Bonjour, capitaine Delacroix. J'espère que je vous dérange pas. Vous avez une minute à m'accorder ? Bonjour, Antea. Oui, bien sûr, je vous écoute. C'est à propos de cette affaire qui est potentiellement en lien avec le photographe. Écoutez, j'y ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de travailler sur cette affaire. Je ne peux pas passer à côté d'une affaire potentiellement liée au photographe. Ah, très bien, Antea, je suis rassuré. Nous avons vraiment besoin de votre aide sur cette affaire. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que vous. En effet, c'est aussi la réflexion que je me suis faite. Il ne peut pas en être autrement, capitaine. Mais écoutez, vous pouvez commencer à travailler sur l'affaire dès que vous souhaitez. Évidemment, vous aurez tous les moyens nécessaires pour cette enquête. Ok, merci, capitaine. Et je ne travaillerai pas seul sur cette affaire, je présume. Ah, en effet, vous travaillez avec le lieutenant Berthier sur cette affaire. Petit nouveau, jeune lieutenant qui nous a rejoint il y a un mois. Il est incontestablement l'un des meilleurs éléments. Encore une fois, je ne lise pas sur les moyens pour cette affaire sensible. Ok, c'est noté, j'irai le rencontrer jeudi. Pour rappel, je suis en week-end ce soir, je ne travaille pas les mardis et mercredis. Ah oui, en effet, j'avais oublié. Pas de soucis, Antea. D'ailleurs, lorsque vous viendrez au commissariat, vous pourrez travailler dans le même bureau que le lieutenant Berthier. Nous allons vous libérer un bureau pour que vous puissiez travailler avec votre coéquipier. Merci, capitaine. En effet, ce sera plus pratique et plus confidentiel. Je m'installerai à ce bureau jeudi. Très bien, Antea, merci. Je dois vous laisser, j'ai réunion à 17h. Allez, bonne soirée, bon week-end. Ça marche. Bonne soirée, capitaine.